Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de J'essaye ta caisse. Aujourd'hui, on va essayer une caisse unique. Il y en a qu'une. Oui, il y en a qu'une. Et alors, son propriétaire est venu de très loin. Il a fait 4 heures de route pour venir nous voir. Alors, comme vous avez pu voir, la voiture était sur un plateau. Et ça, c'est beau, quand même. Parce que voilà. Je vous présente Stéphane. Avec sa Ford Fiesta ST. Qui vient de la Bresse, au fin fond de la Condeuse. Qui vient de la Bresse, de la Bourgogne, du fin fond, du loin. Voilà le monstre. Alors comme vous avez pu voir déjà, c'est pas EcoBoost, c'est EcoBeast. Et vous le savez déjà, j'adore les voitures qui ont un petit nom. Une grosse bête. Alors le problème c'est qu'on a plein de choses à dire et je sais encore pas par quoi on va commencer. Ça va être compliqué. Tu veux qu'on commence par l'extérieur? Alors ouais. Voilà, elle n'a plus strictement rien à voir avec le modèle d'origine. Et c'est ça qui nous plaît. Premier sticker, 300. Comme le film 300. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a plus de 300 chevaux. Voilà. On ne sait pas précisément combien, mais bon. Alors pourquoi on ne sait pas précisément combien? Parce qu'en fait, j'ai un boost contrôleur. Ouais. Et on peut moduler la pression turbo et du coup ça aussi. On est toujours au-dessus de 300. Toujours. Au-delà de je sais pas combien exactement. Ouais. Bon, on a plus de 300, d'accord. Fin 2016 d'occasion. Ok. Elle était même pas reprogrammée, elle était complètement stock, hein, il n'y avait absolument rien de modifié dessus. Ok. Elle avait ses jambes d'origine, tout d'origine. Et là tu t'es dit, il faut que je me fabrique un jouet pour le circuit. Voilà. Ok. Très vite, je suis passé à la première reprogrammation. D'accord. Parce qu'elles ont du potentiel. Ouais. Tout de suite, en tirer à peu près 215-220 chevaux. Ouais. Et ensuite, j'ai greffé au fur et à mesure des périphériques. Hein, tu sais, donc quand on modifie un peu les entrées, on libère l'entrée, la sortie, et puis mettre un échangeur d'air pour le turbo. Oh bah, moi j'ai une idée, etc. Tu vas nous ouvrir le capot. Ouais. Bah, on va commencer par le moteur. Alors, le moteur, c'est pas une voiture de parking. Hein. C'est une voiture qui vit, donc c'est pas très très joli. C'est une voiture de. Alors, il y a la voiture d'étagère, il y a la voiture de parking. C'est une vraie pistarde qui roule sur le circuit. Donc, il y a des traces de gomme. C'est exactement ça. Voilà, il y a des traces de gomme. Il y a des traces partout. Mais c'est fait pour ça. Il y a un peu de tuning, mais c'est du tuning qui est efficace pour les entrées d'air, etc. Donc, ça ne s'appelle pas du tuning. Il y a de l'amélioration. Amélioration. Ouais, le mot tuning, aérodynamique. Le mot tuning n'est pas forcément péjoratif chez les anglo-saxons, quand même. Non, en Angleterre. Chez nous, c'est un peu ouais. Kéké, quoi. Ouais. Et toi, qu'est-ce que tu as fait du coup dessus? Donc, dans un premier temps, j'avais juste reprogrammé. Elle était stock, donc elle donne à peu près 215-220 chevaux. Okay. Ensuite, je suis été en stage 2R, comme on dit souvent sur les Fiesta. Stage 2R, en fait, c'est vraiment le stage le plus poussé du turbo d'origine. D'accord. C'est ce qui va pouvoir donner le maximum. Du turbo, maximum, voilà. Ok. À peu près 240 chevaux, mais surtout beaucoup de coupe et puis surtout une plage d'utilisation plus supérieure. Ouais. Okay. T'as des chevaux, mais partout. Ok. Tout le temps. Et pour ça, il a fallu quand même commencer à libérer l'entrée, okay. L'admission et puis la sortie. Hein. Okay. Donc il y a une ligne complètement en inox, okay. Complètement libérée, donc décatalysée, c'est pas bien, mais moi je fais du circuit. Hein. Ouais. Mais t'as changé aussi le turbo ou pas du tout? Après. On accélère les choses. Okay. Hein. Maintenant, oui, j'en suis à un nouveau turbo. Et c'est un turbo qui est plus conséquent et du coup, ça me permet de dépasser les 300 chevaux allègrement. Mais avec toujours la même cylindrée, 1,6 litre, le moteur d'origine. Ouais, il est toujours stock le moteur. Attends, Bielsa, ouais, tout ça, c'est d'origine. Ouais. Il y a juste un arbre à cam qui est un petit peu modifié pour permettre à la pompe haute pression d'essence de tourner un petit peu plus fort. D'accord. Hein, pour compenser. Mais non, tout est d'origine là. D'accord. Donc, ce moulin-là, il résiste à peu près à 350 chevaux sans trop péter. C'est jusqu'à 380, on va dire. D'accord. Après, au-delà, il souffre. Il y a un collecteur d'échappement inox. C'est pas okay. C'est plus le collecteur fonte. Tout ce qui est en amont et tout ce qui est en aval, tout est modifié. Hein. D'accord. Il n'y a que le moteur qui est en les internes qui reste au stock. Les internes, voilà. Seulement. Okay. En façade, on peut voir qu'il y a un gros échangeur turbo. J'ai vu. Oui, il est juste énorme. Je ne sais pas si on s'en rend compte, alors, mais. Il est doré en bas, celui-là. Là. Donc ça, il est énorme en épaisseur, mais en fait, il est super compact. Ça permettait de le mettre que dans la baie, la grille du bas. D'accord, en fait. Ok, très bien. Parce qu'au départ, j'en avais un qui montait au-dessus. Ouais. Mais le problème, ça faisait couche sur couche. J'avais le radiateur d'huile que j'ai ajouté aussi. Ça n'existe pas dans le jeu. Ah, donc ça aussi, tu l'as rajouté, ouais, d'accord. Il y avait un radiateur d'huile, il y avait l'échangeur d'air turbo, plus derrière la grille de clim et après le radiateur d'eau. Donc, ah ouais, comment tu veux couche. Que ça respire? Bah oui. Non. D'accord, du coup, ok. J'ai changé. Tu l'as mis là. J'ai mis un compact. J'ai viré la clim.
aujourd'hui ça va aller, à part peut-être la clim. Non, aujourd'hui on n'a pas besoin de clim, non. Et donc effectivement j'ai un radiateur d'huile, enfin tout, et le radiateur de flotte c'est un radiateur alu aussi. D'accord, ok. Donc il est beaucoup plus épais et puis bah plus, ouais. Plus donc tu as gagné en compacité et en poids. En poids, mais c'est surtout le refroidissement. Ouais. L'admission on la voit pas, elle est cachée sous le phare en fait. D'accord. Comme ça elle est vraiment à l'abri de l'air chaud. Ok. Parce que souvent les gens, la boîte arrière d'origine est là. Oui, la boîte arrière d'origine est là. Voilà, souvent les gens mettent des cornets, bon, un petit cloisonnement quand même, mais ouais. C'est vraiment trop proche du moteur. Et là, c'est la marque, on peut maintenant tester les marques. Ah, tu sais ouais. Tout ce que tu veux. La marque ITG propose une admission qui va aller solger derrière le phare, enfin sous le phare, juste derrière le pare-choc. D'accord. Et ça permet de la protéger de l'air chaud, comme tu dis. Ouais, alors, ouais. Au départ, les gens se disent, comment elle aspire, comment là, c'est tout fermé. Mais comme on n'a pas de. Comment ça s'appelle, une protection en dessous, un carter sous la... Ouais, il n'y a pas de truc en dessous, donc ça récupère l'air d'en dessous. Voilà, là okay. En dessous. Sauf que bon... Oui, parce que là, on voit le sol. Voilà. Voilà, il n'y a pas de bac à merde. On appelle ça un bac à merde dans les garages. Voilà. Le truc où pour la main d'œuvre, ça te prend déjà un quart d'heure à enlever parce qu'il y a 15 clips en plastique de merde. Tu as élargi les ailes, mais est-ce que tu as élargi les voies? Ouais, alors j'ai élargi les voies. Alors, au début, je voulais les élargir qu'avec un déport différent au niveau des jantes. Ouais, d'accord, ok. C'était possible. Oui. Sauf que j'avais un autre train de jantes pour la route qui n'existait pas avec un déport conséquent. D'accord. Du coup, j'avais opté pour mettre des cales de 20, donc 2 cm. Ouais. De part et d'autre. Hein. Et puis du coup, mes jantes de piste, j'étais obligé de les prendre aussi avec un déport moindre alors, pour garder les cales, pour pas te voir les retirer à chaque ouais, fois. Ouais, c'est super chiant. Jantes, voilà. Les cales, c'est chiant. C'est con parce que maintenant, j'ai que des jantes de piste. Donc du coup j'aurais pu avoir que des jantes à des ports plus importants et puis virer ces cales. Bon, c'est des cales à l'us, c'est pas très très grave. Il y en a qui sont pas trop pour, ils vont dire que ça va dénaturer et puis un peu casser la géométrie d'origine de la voiture. Mais finalement j'ai jamais eu de pépins. T'as pas vu de différence dramatique parce que c'était un des points forts de cette caisse. C'est ouais. Comment est réglé son châssis en fait. Quand elle est sortie, elle a bluffé du monde. Ah, d'origine, elle a bluffé du monde. C'était super amusante, ouais. Ouais, ouais. Peut-être pas au niveau des chronos, mais au niveau du comportement, quoi. Comportement, c'est super. Ouais, ouais. Ouais. Et petit détail esthétique que moi j'adore, c'est Steph qui a fait ça lui-même. Il a démonté l'intérieur des feux et il a fait un dégradé, il a regardé la peinture de tout le tour du feu. Qui rappelle donc le couleur or des jantes et rouge de la carrosserie. Mais le rouge d'ailleurs, parlons-en du rouge. Mais le rouge ça va vite. Voilà. Sacré là. Regarde. Le rouge ça va vite. J'ai tellement rigidifié au niveau des les barres anti-roulis, etc. etc. Ouais. Que je l'ai transformé un petit peu plus souvireuse qu'elle ne l'était avant. C'est-à-dire que le cuir est moins mobile. Okay. Alors je peux jouer sur ma dureté de suspension. Ouais. Avant je faisais l'inverse. Je mettais trop mou à l'arrière et dur à l'avant. Et du coup, l'arrière, il a scotché, tu vois. Ouais, ouais. J'ai inversé et maintenant, je reprends du plaisir. Mais j'ai quand même dégradé les pneus à l'arrière. D'accord. C'est-à-dire que je mets des super bons pneus à l'avant. Bon, c'est une traction, hein. Ouais, ouais. Qui taille vachement large, d'ailleurs. C'est des Yokohama à 0,52. C'est ce qui se fait de mieux, hein, avec les arrières, hein, de chez Lincoln. Et puis à l'arrière, c'est des pneus Smith Slick aussi, mais de moins bonne facture. Ce qui permet d'avoir un petit peu un cul mobile et de jouer. Okay, bah, attention, d'accord. Une fois que c'est chaud, ça va bien. Hein. Oui, 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 chaud. Et c'est vrai que par exemple, quand je me lance sur circuit, le premier tour, l'arrière. Ouais, ça glisse en voilà. Permanence. Mais après, c'est rivé. Mais alors, est-ce que tu crois qu'on va réussir à les monter en température? Non, mais là, j'ai ramouillé hyper l'arrière. Ah ouais, non, parce que là, on a encore une autre piste ramouillée. Là, si on sort, on sortira de l'avant normalement. Les quatre roues. C'est rigolo, mais il faut pas. Hein. J'ai qu'un impératif, c'est rentrer à 18h avant le couvre-feu et puis c'est de rentrer vivant. Puis ma voiture aussi. C'est super, j'en ai marre de cette pression. Enfin, je peux te poser la question tout de suite dans ces cas-là. Il l'a jamais prêté, je connais déjà la réponse, il l'a écrit dans son mail. Ah, tu l'as jamais prêté? Non. Je voulais poser la question, voilà. Mais pression, okay, puissance 15 000. Jamais. Oh putain. Pourquoi j'ai fait 4 heures de route? Pour me foutre la pression. Merci Stéphane. Je vais demander. Tu regrettes? Attends, il regrette. Regarde, il a fait il a fait la prière, on n'a même pas commencé. Alors, l'arrière, beaucoup de choses ont changé. Le béquet, ouais. J'adore, magnifique, énorme. J'adore les gros béquets, moi. Alors, il est joli de tous les angles, même du. Il est trop beau. Vu du sol aussi, ça fait. Ouais, ouais. Non, il est très design et tout machin. Il est très, très beau. J'aime beaucoup. Le diffuseur, t'as changé aussi? Ouais, le pare-choc complet, en fait. Ouais, pare-choc complet. Ah oui, oui, ah oui, pare-choc complet, il descend plus. La ligne d'échappement, donc du coup tout à l'heure t'as dit... Alors c'est une ligne d'échappement qui est prévue pour la Fiesta d'origine. Ouais. Et puis du coup qui a été modifiée pour s'adapter à ce pare-choc là. Et elle fait beaucoup beaucoup trop de bruit, c'est la marque KMS en Angleterre. Ouais. Elle s'appelle Hurricane, ou Hurricane, je sais plus, bref.
Et elle fout le bordel. Elle fout le bordel. L'intérieur, qu'est-ce que t'as fait? C'est quand même lui hein, qui a posé les ailes et tout. Hein. Oui. Mais c'est lui qui a tout fait. Non, mais on l'a pas dit. Mais si on l'a dit, il a dit tout à l'heure qu'il avait tout fait. Parce que c'est moi toi j'ai regardé en pas. Détail. Je sais pas, c'est non, on l'a fait en off. On l'a dit en off. Non, on l'a dit tout à l'heure pour le moteur. Ouais. Oui, il a tout fait et il a tout appris de A à Z. Et les stickers, c'est lui qui les a posés. Puisqu'il s'est même déposé un moteur, il a dit. Elle n'est quasiment jamais allée dans un garage. Une seule fois pour ouvrir la boîte, pour mettre l'autobloquant, parce qu'à l'époque, c'était trop au début, je ne connaissais pas. Ouais. Là, quand j'ai refait le moteur, j'ai changé aussi la boîte. Ah oui, parce qu'on n'en a pas parlé de la boîte. C'est la boîte d'origine, non, c'est, non. La boîte Alors, c'est la boîte d'origine. J'avais une autre boîte où j'avais renforcé les rapports. Là, c'est les rapports d'origine. Ouais. Mais elle a quand même l'autobloquant. Hein. D'accord. Ce qui manque beaucoup de base. Ouais. Donc, bah oui, sinon, c'est pas la peine. Bah non, sinon, c'est pas gérable. J'ai préparé le moteur, mais avant tout, j'ai préparé le châssis. Hein. Oui, voilà. Donc, en premier lieu, avant de monter en gars, en stage. Voilà. Bah c'est mieux. Mais c'est mieux. Les freins aussi. Alors là, on a une belle vue sur mes jantes dégueulasses. C'est pas un trottoir de ville. C'est les rails du Nürburgring. Voilà, là, ça marque. Voilà, les rails du Nürburgring. Donc du coup, on est passé de disque en 28 de base, 28 cm, je crois. Ouais. Là, on doit être à 130, en AP Racing. Ouais, je vois ça, AP Racing. Comme ouais. Ça, c'est une valeur sûre. L'arrière aussi, c'est gradé un petit peu, mais pas au niveau des étriers. Ouais. C'est uniquement, tu sais, un support d'étrier qui permet de le déporter un petit peu. D'accord, ok. Et du coup, tu mets des disques qui sont plus grands. D'accord. Et d'ailleurs, les disques, c'est, ils sont empruntés à la première Focus RS. D'accord, ok. D'accord. Okay. Donc comme ça, tu voilà, pour équilibrer un petit peu. Et dedans, on monte dedans ou... Ah non, attends, on a peut-être encore oublié un truc dehors. Je ou pas, pas. Oh, bah, attends. L'esthétique. Si on a peut-être oublié de parler de la batterie. T'as mis une batterie légère. Oui, c'est une batterie qui fait 2 kg au lieu de 14 à peu près. On ferme le capot. Vas-y, on monte dedans. Vrai siège baquet, deux pistes, t'as enlevé les sièges d'origine. Et il n'y a pas que ça qui l'a enlevé. Mon cœur, tu peux montrer derrière. Il ne reste plus rien. Plus rien du tout. T'as enlevé la banquette arrière, tout ce qui est à l'arrière. T'as changé les sièges. Mmh. Putain, à ton avis, t'as gagné combien de kilos? 40, 50? Non, plutôt entre 50 et 100, je pense. Bah, tu penses à ce point-là, ouais. Oui, parce que la banquette arrière, le dossier, enfin l'assise, c'est un bout de mousse, mais le dossier est très 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 lourd. Donc, t'enlèves ça, t'as déjà 25 kilos. D'accord. 25 kilos par siège avant, bah, qui sont compensés quand même par du poids. Oui, parce que, oui, mine de oui, rien, il y a des glissières, il faut adapter des consoles et tout. Donc, finalement, même si t'as des sièges hyper, hyper légers, t'as quand même un petit peu de poids, mais bon, quand même moins important. Et puis avec tout le reste, tout ce que j'ai allégé, ne serait-ce que la batterie. La batterie déjà, la batterie, non mais c'est juste fou. 10-12 kilos déjà. Ouais, ouais. On arrive. Dans le total, tu penses Je suis à peu près à 1 100 tonnes, un petit peu moins d'une tonne 100, avec du liquide en endroit de marche. Et le volant, tu l'as changé ou c'était comme ça? Non, pas du tout, j'ai changé. Alors celui-là, je sais qu'il va faire jaser. On s'en fout s'il fait jaser. Mais qu'est-ce que c'est que ce volant? Mais c'est quoi ce volant? Alors il vient d'où? C'est parce alors, que. Ça, c'est un volant customisé par un Anglais. Oui. C'est un Anglais qui les prépare, c'est ça? Tu peux lui demander absolument tout ce que tu veux, de la cantara, de l'arrondi, des méplats en haut, en bas. D'accord, donc il le décide, il fait ce qu'il veut, il fait ce que tu veux. Voilà, ce que c'est tu sur veux. Mesure. Sur mesure, exactement. Stéphane? Oui. Quelque chose à dire? Je suis pas prêt. Non. Je peux rentrer chez moi. Non, on disait, Gérard. Ouais. C'était il est longtemps. En panique en fait, mais alors du coup, moi encore plus que lui, il se rend pas compte de la pression que ça me met. Je suis jamais monté en passage de ma voiture. T'es venu ici pour ça! Exactement! Oh! C'est les femmes qui claquent les portières! Ça commence bien! Si, la commande de boîte, c'est génial! C'est attends, génial, c'est mais, l'avenir, pas sur pas sur le parking, le point mort! Mais après, ouais, voilà! Mais c'est pas fait pour être sur un parking! Voilà. Il y a que le point mort qui va pas. Tu sens? Qu'à la moindre pression de la pédale, tu sens déjà que t'as un de ces trucs. Ouais, ouais, non, encore. Oh putain, ça freine. Oui. Oh putain, ça freine. Et pourtant, quand c'est froid, ça freine pas fort fort. Parce que ah bah là, si, hein, quand même. Ouais, ça freine. Je prends mes marques, hein, on est vas-y, d'accord. Vas-y. J'ai entendu là. Normalement, on est censé avoir le même toucher de pédale que à peu près que d'origine. D'accord, oui, c'est exactement un choix. Ça. C'est un choix dans le choix du disque aussi.
qu'ils soient assez progressifs et qu'ils soient pas trop. Exactement, dans les pédales, c'est facile. Et... mais qui sont vraiment radicales pour le circuit. Moi au départ je voulais garder une voiture qui fait un peu de route, donc j'avais une petite appréhension, j'ai préféré garder un truc qui nécessite pas d'entretien. D'accord. Et qui est pas trop violent. Et qui est efficace. Finalement c'est, même sur le circuit il est vraiment efficace. On n'a pas la même notion de violence je crois Stéphane, parce que tu dis pas très violent. Enfin si je comprends par rapport à une voiture de course pour en avoir essayé, mais elle est méchante. Je suis généreuse.
Alibi. C'était le petit moment de silence et voilà. De concentration. Où on a exploité un petit peu la voiture, mais en étant très sage. Ouais. Tu vois, franchement, Steph, tu t'es fait un outil de guerre. Et ouais, est-ce là, que c'est dommage parce que c'est vrai que de toute façon, comme beaucoup de voitures, on peut pas l'exploiter et vraiment montrer le potentiel. Non, là, on pourra pas montrer tout ce que tu as pu faire. Mais on va dire que l'avantage, c'est qu'avec 20 ans et plus de 800 caisses essayées et que des sportives, je suis en mesure de réaliser le potentiel et les qualités de ce que tu as mis dedans. D'accord. Sans pouvoir l'exploiter. Après, il est vrai qu'après, il y a un stade où ça se trouve, je serai encore plus bluffé, mais je le devine déjà. Parce que elle est. Et moi, ce que j'admire le plus, et ça, vraiment, ça me trouve le cul, c'est que tu as tout fait toi-même. Et ça, c'est beau, putain. Non, mais vraiment. Non, mais c'est un plaisir, c'est ça aussi le plaisir. Hein. C'est magique, c'est-à-dire que oui. C'est de tes mains, donc du coup, ça te. T'as encore c'est plus beau, du plaisir quand tu vas rouler, c'est génial. J'appréhende parce que je la connais pas. Non, puis t'as raison, c'est sûr. C'est normal. Et si toi, quand on la connaît, c'est justement cette petite bagarre qui doit être géniale. Oui, tu vois. Bah, en fait, on joue. Exactement. Cette voiture, c'est une voiture que je jette dans les virages sur circuit. Je surconduis en fait. Voilà. Je surconduis. Ça, je et les gens, des fois sur YouTube, ils commentent, ils disent ouais, je surconduis quoi. Mais non, c'est volontaire. C'est fait exprès. Je pourrais faire des meilleurs chronos en roulant plus coulé, tranquille. Ouais, mais t'as pas envie. Mais je surconduis parce que j'aime bien acheter, j'aime bien avoir des sensations, je bouffe les pneus, c'est pas tant bien. Et tu l'as créé de toute façon pour toi. Oui, pour m'amuser. Et tu la règles pour toi, pour ton plaisir à toi et pas à celle de quelqu'un d'autre. La pression au boost contrôleur et c'est bon. Moi j'ai été sage et raisonnable. Ouais, c'est sympathique, ouais. Mais on n'a pas de boost là. Ça avance pas cette voiture. Ça avance pas cette chiotte qui dit. Non mais. Putain de merde. Tu m'avais pas dit. En fait j'avais pas beaucoup de boost, excuse-moi. C'est pas que j'avais peur. Mais un peu quand même. Non mais je l'avais réglé comme ça à ma dernière sortie. Mais chez moi c'est très bosselé donc. Elle est pas là, hein. Ça fait moins de bruit.